Bam! Re YouTube, on est de retour on the plateau. De retour sur Undermine encore. Bah oui, le gars s'arrête jamais de jouer à ce jeu, quoi. Il est fou. Ce mec est complètement tinzin. On casse le chien pour se donner de la chance, bien sûr, c'est important. Est-ce que je prends les bombes en vrai? Non. Allez. Let's go, on est là. Avec une petite amélioration sympa quand même. Qui augmente la vie des dégâts et augmente la vitesse de lancer. Et on va voir ce qu'on va se prendre derrière. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir, visiblement, beaucoup de choses à débloquer. Au fur et à mesure, on débloque des nouveaux objets, des nouvelles bénédictions, etc. Et là, on est en difficulté 4, pierre d'invocation. Donc les ennemis vont avoir sensiblement encore un petit peu plus de vie et de force, j'imagine. Donc je vais sensiblement me faire plus casser la gueule, grosso modo. Je commence avec 649 points de vie, quand même. C'est pas horrible. Hop là. Oh, ça fait bizarre de plus attirer l'argent vers moi, là. C'était bien, ça. Ça peut revenir. Oh, c'est toujours difficile de le faire deux runs d'affilée. Alors, attention, là, cette fois-ci, on a la sylph. La sylph, je rappelle comment ça fonctionne. Dès qu'on prend une malédiction, elle gagne un niveau. Et en fait, au deuxième niveau, elle fait que on peut prendre deux bénédictions au lieu d'une seule. Et au troisième niveau, elle nous fait doubler les bénédictions qu'on gagne. Donc, on peut avoir double béné, grosso modo. Mais du coup, bah, il y a double malédiction aussi qui va derrière. Augmentons les dégâts de lancer. On va se mettre en mode lancer, là, pour voir. Super, ça m'a baissé mes dégâts de lancer, c'est top. Ah, j'ai pas de bombe. Ah, j'ai pas de bombe, j'ai rien. J'espère que ça va toujours Twitch, de l'autre côté. Oh, c'est quoi ça? Augmente considérablement les dégâts, mais se brise lorsqu'il est touché. Ah. C'est nul. On va voir ça en début de run. Objectif, ne jamais se faire toucher. Objectif, ne jamais prendre un seul dégât. Un bel objectif en soi, hein, mais... Est-il seulement possible? Quoi? Est-ce que je le tente? Non. Non, je le tente pas, il y a une chance sur deux de me faire baiser, c'est non merci. C'est vrai que par contre, on fait vraiment des dégâts de baiser. Hein. Ça, y a pas à dire. Ça fait zizir. Hein. Encore un étage sans magasin? J'imagine qu'il y a peut-être juste pas de magasin au premier étage, hein, tout simplement. Oula, j'aime pas cette salle. Ok. Maîtrisé pour l'instant. On essaie de pas se faire toucher, mais on sait très bien que ça va arriver. On le sait que ça va arriver. Ça va arriver. Je me chie dessus que ça arrive, mais ça va arriver. Bon, zéro bombe, toujours. Dommage. Zéro bombe, zéro potion, on est un peu... On est un peu lâché sans rien, là. Et bam! Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bah c'est top, c'est pas comme si j'avais plein de bombes, là. Franchement, allez, je tente. Et merde. Mais pourquoi je peux pas... Ça veut augmenter temporairement les dégâts de frappe. Bon bah, on le sait qu'on a ça, c'est bien. Putain, y'a un slime, il est... Il t'est pris au piège, hein. Waouh. J'aime prendre des risques, hein. J'ai envie. Oh, j'ai bien d'éternuer, bah voilà. J'avais envie, les gars. Si tu trouves de l'armure, ça empêche de casser le couteau. Ah, c'est pas con, ça. Enfin, faut en trouver, quoi. Moi je me demande, est-ce que tomber dans le vide, ça casse le couteau? Auquel cas, c'est un peu con, mais en même temps, ça fait partie du contrat. J'ai qu'une seule clé, donc il faut que je choose wisely. Je vais clairement aller dans le magasin. Il va me vendre une clé, bien sûr. Ok, j'ai cru qu'il ne vendait pas de clé, j'allais péter un peu. Très bien, bah déjà ça c'est moins cher, donc on prend. J'ai tout, hein.
tout prendre de manière générale. La potion pour lancer les boules de feu, pas de bien. Nourriture gratuite. Nourriture gratuite, bien sûr, la nourriture. Oh, tout est bien, hein, c'était cool. Et puis je vais me prendre la bénédiction. J'ai plus de clé par contre, mais c'est pas grave. Rend plus fort au début d'une salle, c'est bien ça. Rend plus fort et plus rapide. Rapide et furieux. Par contre, j'ai vraiment plus rien quoi. Par contre, on est d'accord pour dire que je tabasse, hein, vraiment, mais. Quand je vais perdre cet avantage, ça va faire mal. Hein. Il doit certainement y avoir une salle secrète quelque part. Gros, ça va? Tu veux m'ignorer ou... Ok. Ah, t'es sûr? Ah, il y en a même deux. Je vais pas... pas me faire prier, hein. Voilà, merci de les avoir ouverts. Fais apparaître un coffre aléatoire. Bon, allez, hein. Oh, des clés. Ça, on en avait besoin. Oh, par contre, c'est quoi, ça? Inflige dégâts pour chacune de vos potions dans chaque salle. Malheureusement, on l'avait vu, c'était... C'était un petit peu abusé, les dégâts que ça faisait, donc... on va pas partir là-dessus. On va clairement pas partir sur cette potion. Clairement rien garder. Let's go. On l'a retiré immédiatement. Merci à la salle secrète ouverte gratuitement. Merci mec. Ok. C'est moins l'urgence là. Rendez-moi mon argent. Allez, on y go. Surtout si ça te pète le couteau, bah oui, c'est clair que j'avais pas envie de péter mon couteau. Après, soyons honnêtes, hein, il va se péter un moment ou un autre ce couteau. Ça va arriver. Ce serait limite mieux que ça arrive et qu'on maîtrise l'acte plutôt que ça arrive à un moment où on s'y attend pas. Ça, merde. C'est celle qui retire 75 points de vie. Alors, je les prends quand même. Hein. Clairement, je les prends. Je prends les clés, les bombes. Tout ce qui est ressources, je prends. Tout ce qui est ressources, on prend, le reste, bisous. Je sais que j'ai un steak gratuit si besoin. Normalement, je suis pas censé avoir besoin, mais voilà. Du coup, si je me retire une malédiction, ça brise mon couteau ou pas? Merci pour la clé, gars. Tant pis alors. Dans tous les cas, je vais forcément perdre mon couteau. Hein. Soyons honnêtes. Lancer puissant. En vrai, ouais. Je veux tenter une run lancée là. Je veux une run basée sur le lancer. Bah, ça tombe bien que je voie ça. Sniper ? On appelle le sniper dans le milieu. You genius. Je peux pas perdre le couteau si j'ai pas le couteau. C'est trop de pression pour moi ce couteau. Trop de pression, je peux pas utiliser mes potions, ça me saoule. Alors comment se débarrasser du couteau ? En s'en débarrassant. C'est bon. Et dans une future run, je pourrais le prendre à un manque potentiellement critique. Et je serais très heureux de l'avoir à ce moment-là. Faut que tu trouves une popo qui reverse ses dégâts, comme ça tu peux retirer une malédiction plus te heal, etc. Ouais, bah oui, mais... Bon, là, ça fait beaucoup de choses à avoir en même temps, qui est juste du hasard et de la chance, quoi. Il y a quand même beaucoup de conditions à réunir. Alors que là...
bien ça en début de game. Très très bien. Du coup, je vais aller voir le magasin. Est-ce qu'il me propose d'autres? Ouais, allez, bisous. Oh, quoi, attends, quoi, 225? Putain, grosse pute. Elle saoule trop, elle. Oh, c'est une chance sur 10 000 de gagner avec elle, vraiment, c'est... trop chiante. Du café. Prends-moi l'argent. C'est mon argent. Alors, café. Plus on prend de dégâts, plus le café rend de la vie. Donc c'est très utile en fin de game, quoi. En début, bof. Du coup... Ah oui, j'avais dit que j'allais voir le magasin, voir ce qu'il y a de nouveau. Vu que maintenant les magasins sont plus fournis. Oh bah oui, hein. Oui. Oh, t'es con, putain. Nombre de... A transporter 3 potions similaires en même temps. Let's go. C'est vrai que là, j'ai 3 potions qui me retirent une malédiction pour 75. Ce qui est vraiment une très bonne chose, hein, dans un trône. Vu qu'on va essayer de farmer les malédictions, hein, forcément. On va essayer de farmer les hôtels de bénédiction pour avoir un max de niveau avec Sylph. Et pouvoir devenir très très fort. Je pense que le couteau c'était une bonne chose que je laisse là-dedans. Je l'utiliserai dans une run où ce sera vraiment game changer. J'ai 6 clés, déjà c'est bien. Franchement, commencer la run avec 50 000 balles, c'est assez confortable. Hein. Ah bah tiens. Tiens. Ah mais du coup c'est pas cumulable. Bon, j'ai envie de dire pas grave. Hein. Donc là j'ai les bombes beaucoup plus puissantes. Ça peut être intéressant. Ce qui est quand même drôle c'est que pour l'instant j'ai toujours pas pris de dégâts. La potion n'est pas dingue, la potion de Doppelganger. La bouffe gratuite bien sûr. Oh là là. Oh là là, on a tout là. Téléporte vers la voie de pioche, bien sûr que je le prends. Bien sûr que je prends le popcorn. Bien sûr que je prends ça. Une malédiction gratuite. Hop. Transforme toute l'héroïque dans la pièce. Ça, ça peut quand même être utile. J'ai quoi d'autre là? J'ai café, potion de purge, merde. On va aller voir. Attends, mais ma relique de bombe là, elle est toujours dans la salle. Elle doit toujours être dans la salle de con. Hein. Est-ce qu'elle y est toujours? Il faut savoir. Je sache. Ah oui, bah je peux le transformer alors. Je vais chercher ça très vite. Aussi vite que je peux parce que le terrain est chiant. On perd un peu de temps, mais à mon avis, c'est pas une mauvaise idée ce que je fais quand même. C'est pas un mauvais bail. Hein. Alors qu'est-ce que c'est? Le clacos. De la vieille nourriture dégueulasse dans les coffres. C'est pas l'amélioration à laquelle je rêvais. Hein. J'aurais clairement pas rêvé cette nuit, celle-là. Mais bon. On accepte quand même... Chaque don est un don, d'accord? Même 50 centimes. Là, le gars vient de me donner les dernières pièces qu'il y avait au fond de la poche. C'est quand même sympa de sa part. On ne juge pas. Voilà, bravo. Mais c'est vrai que vous êtes... Putain, mais ils sont froids, j'avais pas vu. Mais gros, tu veux pas que ça fasse le tour du monde aussi, ton attaque? Bon, voilà, si j'avais eu le couteau, je l'aurais perdu ici. Donc j'ai bien fait de le laisser. Bien fait de le laisser derrière WAM.
La moindre nuggets d'or, il faut qu'il le prenne. Hein. Attends, il y a peut-être une salle secrète ici. Bon bah la réponse est non. Et moi aussi j'ai des bombes. Hein. Ça va, ça te calme? Ok, on va faire le boss. J'ai pas de grosse amélioration, mais normalement on devrait quand même pas particulièrement galérer contre lui, quoi. C'est rarement une galère ce boss, hein. Après, qui sait, hein, peut-être qu'il va commencer à avoir un nouveau pattern, hein. Non. Putain, mais je comprends jamais ses mouvements. Bon bah j'ai fait une connerie et voilà. Allez. C'est pas grave. En fait il fait juste plus de larves. À la fin il va faire 10 000 larves. Je pensais à 1000. Ça, je me fais avoir à chaque fois. On s'en fout. Bientôt fini ces conneries. Voilà. On l'embrasse. On l'embrasse et on dit à bientôt. Ça c'est bien joué. Quoi? On peut faire ça? Excusez-moi mais je viens de découvrir des fonctionnalités de mon... Je peux changer les potions avec ma manette? Ok, je viens de le découvrir. Très heureux de ça. Attends, je vais tester un truc là. Si je reviens, il va pas y avoir un œuf de ce con là. Parce que la dernière fois, quand je suis allé chez le boss, il était là. Bon. Je regarde. Ok, bon, on y va. Si j'étais un fou de l'optimisme, je serais allé rester. De l'optimisation, pardon. Je serais allé reprendre ma viande là dans le magasin, mais oh, flemme. Hein. Flemme de fou. Rendez-moi mon argent. Vraiment, regardez, est-ce que. Je regarde jamais s'il y a des trucs dans sa salle, on sait jamais. Hein. En l'occurrence, il n'y a rien. Merde, je suis débile. Hop là. Vide. Les caisses sont vides. On dirait les caisses de l'État. Hop là. Bon, ce sera bien de regagner de la vie quand même. Arrête. Allez hop, tiens, du feu dans ta gueule. C'est mon ennemi ou c'est mon allié, lui? Pas sûr, hein, pas sûr de l'info. Bon, eux, par contre, c'est mes ennemis, c'est sûr. Ok. Oui. Allez, on y retourne. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Les soins sont plus efficaces, ça peut être pas mal. Rien par rapport au lancer. Rien par rapport au lancer. Mais bon, pour l'instant, elles sont niveau 1. Ça serait peut-être bien de les mettre niveau 2 pour qu'elles soient plus... Bah non, mais quoi que, avec la puissance qu'elles ont de base, elles ont pas besoin de ça. On va... Soit plus efficace, là. C'est quand même important, ça. Vu que j'ai un soin gratuit dans tous les magasins, autant qu'ils soient plus efficaces. Très chiant de sa chauve-souris. J'ai pas eu ma malédiction. Mais c'est vrai que j'ai espoir. Putain.
C'est quoi ça? Inflige moins de dégâts de frappe. Chiant. Chiantos. Tellement chiantos que... Hop là. On prend, on prend. Oh, les biscuits, oui. On va rendre notre sylphe plus forte. On va essayer de la... On va essayer de la XP un peu plus. Les biscuits explosent temporairement en flèche, c'est ça. Tac. Pour l'instant, c'est bien calme, hein. Bien calme, cette histoire. Y a pas de feu... Y a pas de feu maudit, y a rien de... Rien qui essaye de nous accélérer les choses. Mais tout à l'heure... ça a été long, hein. Donc, on sait jamais. Tout à l'heure, ça a été long à venir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Contrat de prime, fabrication près de l'armurier. Ok. Oh, ça va être un truc en mode, si tu butes le bon ennemi dans le bon ordre, t'as une petite récompense, j'imagine. Du coup, là... Attends... Oh, mais je peux voir toute la map comme ça depuis le début, je savais pas. Ok. Bon, on y va. Hein. Très très vide, cet endroit. Sûrement des salles secrètes intéressantes, mais je les ai pas eues. Hop là. Hop là. Donc, par pitié. Il va me falloir quelque chose là. Laissez-moi mon argent. J'ai lâché une bombe sans faire exprès. Comment ça oublier que je peux faire ça? La fontaine, OMG! Ça sert toujours à rien que je le fasse, j'ai pas 100 000 balles. Faudrait que je le fasse, hein. Faudrait que j'essaie d'y aller avec 100 000 balles, un de ces quatre. Il faudrait qu'on se fasse une run à thème. Bah peut-être. Peut-être la prochaine matinée, tiens. Qu'on a là-dedans. Je vais utiliser ma potion. Hop. Tac. Qu'est-ce qu'il nous propose? Augmente la vitesse de lancer encore. En vrai, je suis presque curieux de voir ce que ça fait quand on a beaucoup de vitesse de lancer. Ça va être assez bien, on doit pouvoir attaquer bien, quoi. En vrai, ça a l'air agréable. Hop là. Sachant que j'ai mon tricks de faire ça, c'est plutôt pas mal en vrai. En vrai, j'ai peut-être pas fait un mauvais insistement. Ok, j'aime pas les malédictions, ça tombe bien. Une bombe dans chaque coffre, c'est pas... Pas forcément le banger attendu ça, tiens. Allez, transmute. Et ça c'est... Chance d'enflammer mauvais ennemis de toucher. Ouais, ça c'est bien ça. C'est bien ça. Mieux. Bien sûr, prendre toutes les ressources. Oh, tu as une malédiction encore. Est-ce que j'ai que ça comme potion? Non, j'ai quand même mon café au cas où. Comme mon café, faut pas déconner. Ok. Je me retire à toutes les malédictions de l'univers, hein, vraiment. Je vais jamais avoir de malédiction. Putain, mais l'autre, elle me... Il me snipe au loin là, la grosse connasse là. Casse-toi. Moi j'étais occupé à essayer d'avoir le slime. Si on arrive à le tuer au max, il nous donne des bénédictions. Oh putain, qu'est-ce que c'est que cet appel encore? Certainement un scam.
Oh là là, j'en ai marre, putain. Annonce officielle de votre grosse mère la pute, putain. Arrêtez de désescamer les gens par téléphone, putain, ça marche que sur les 40... Ça marche que sur les soixantenaires, là. En vrai, c'est pas vrai. Ça marche pas que sur les soixantenaires. Malheureusement. Augmente temporairement santé maximale après la nourriture, oui. C'est oui. J'ai tout fait, ok. Bon, on y va. Hein. La potion d'XP est encore effective, donc autant en profiter, autant aller vite. Oui, j'ai laissé de l'or derrière moi, et alors? Et alors, qui va me stopper là-dessus? Vous voulez me stopper? Allez-y, essayez. Essayez chez vous de me stopper, vous y arrivez pas. Hop là, c'est à moi ça. Allez, on y va. Hein. Ça permet d'aller tellement vite. Oui, 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 oui. En vrai, sur la durée, je peux gagner grave un temps de fou, non? Attendez, hein, il faut que je fasse la blague. Y a même pas un truc pour dire ouais, 4 fois la même potion dans l'inventaire? Super, y'a un succès pour 3 mais pas pour 4. Raciste. Ok, ok, c'est bon à savoir. Y a des trucs intéressants dans le magasin, j'y retournerai. Je déteste vraiment elle, hein. C'est un truc de fou. Tadam. Intéressant. Intéressant, intéressant. Voilà, j'ai perdu ma bénédiction et j'ai gagné de la vie. Merci, hein. Merci pour tout. Putain, mais la tête chercheuse ou quoi leur merde? J'en peux plus. Hop là. Je suis débilos. Non mais gros, j'ai un QI aussi. Mouvement, mec, ça n'avait aucun sens. Ah, qu'est-ce qu'on a dedans? Encore? Allez. Voilà, là j'ai. C'est quoi ça? Les coffres sont parfois vides. Oh non, gros. Chiant. Oui, 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 oui. Rien à foutre. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Dégâts de lancer supplémentaires, enfin! Je pourrais augmenter la portée de lancer aussi, mais non. Dégâts de lancer supplémentaires, c'est ça que je veux. Béni niveau supérieur pour ma sylph, ça c'est très très bien. Ça c'est très très bien, aller sur niveau supérieur. On va pouvoir aller au magasin à nouveau. Reprendre une potion d'XP pour elle. Boire le café d'ailleurs, histoire de. Tac, on va la reprendre. On va se soigner, on va tout prendre. Voilà, comme ça on la yimbe. On va voir ce qu'il y avait là aussi. Malédiction de merde. C'est quoi, nique sa mère? Voilà, je la veux pas. J'en veux pas de cette malédiction. Je vais mettre les biscuits en promesse. Ouais, tu peux te barrer la map peut-être? Ça peut rester le truc. Nice. Vous êtes bien calme d'un coup là. Vous êtes bien calme sur Twitch. Hein. Et quelle heure là? 11h13? Est-ce que je vais avoir vraiment le temps de terminer ma run? Faut que je me rouille le derche en fait. Eh hey gros,
laisse-moi. T'as tout, toute la bouffée dorée maintenant, c'est bien ça. Ça me coûte quasiment moins cher de... Ça me coûte moins cher de prendre ces trucs-là. Ralentir les projectiles ennemis, c'est oui. Tac, ça c'est toujours oui aussi. Je voulais voir s'il y avait une salle secrète. Hop. Personne me vole mon dû. Je peux faire du bruit, let's go. Tout ce qu'on voulait voir ici. Alors, régénération, lancer puissant. Putain, que des trucs de dégâts de frappe et tout là. En vrai, la régène, je dis pas non, tiens. Hop, et on en remet une deuxième. Et on va se mettre. Putain, y'a rien sur les lancers quoi. La portée de lancer, après, est-ce que ça m'intéresse? En vrai, ouais. En vrai, quand même, vu que je peux. Hop. Faire ça. Oui, oui, oui. C'est qu'on va quand même commencer à accumuler les malédictions en force là. Ok, un peu désolé. Je sais où là. Je voulais détruire tous les trucs de feu, mais malheureusement je n'ai pas. J'ai pas tout ce qu'il faut. Oh, ça a l'air bien ça. Juste augmente la vie, ok. Bon, pas mal hein, quand même. Pas mal l'animal. Hop là. Si seulement j'avais des trucs de pioche qui se divisent là, ce serait trop bien. Pas me laisser faire moi. Le prochain boss là, il va me faire un peu chier. En vrai, j'ai pas un stuff de fou pour le prochain boss. Je crois que mes bombes, pour lui, ça devrait lui faire pas mal de dégâts. En vrai, comme j'en ai 26, je vais peut-être m'en servir. C'est quoi mes potions? J'ai biscuit, potion de purge, biscuit, ok. Tiens, biscuit, j'aurais dû l'utiliser, putain. Tiens. C'est vrai que je fais plus de bruit encore, quand même. Ça va. Putain, mais c'est chiant que ça fasse des dégâts au contact, ce truc. C'est vraiment trop chiant les dégâts de contact, là. J'ai quand même paniqué toutes mes bombes pour ce connard. Le relou. Ah bien sûr, il les resépare encore. Voilà. Alors Mokhtar. Voilà, Mokhtar le golem chargé là. Je peux pas chomitar mec. Voilà. Bon, ça va, plus de... En tout 50 dégâts, c'est des dégâts sans contact. Lol, quoi.
J'ai pas compris. J'ai pas tout compris à ce que tu viens de dire, mais... ça attaque. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Reçoit des dégâts supplémentaires. Bon, top. J'aime bien les dégâts, ça tombe bien. Ok. Pas plaisir quand même. C'est parti pour le troisième biome. En vrai, je me chie dessus de pas avoir le temps de terminer les marron. Faut qu'on aille vite. C'est une joke de carte bleue. Ah oui. Ah désolé, moi je ne paye qu'en chèque. En bois. Parce que je suis plus argent. C'est pas vrai, tout va bien. Je paye en carte bleue tout le temps, moi. Avec mon iPhone de gros con, là. Pourquoi je fais du feu? Ah mais c'est vrai que mes coups sont enflammés, ça. J'ai le truc de poulpe, là. Tu peux venir, mec? C'est chiant, là. Tout le monde s'emmerde. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut se soigner, encore. Et on va... ouais, on va enlever ma malédiction, quand même. Voilà. C'est tout ce qu'il y a, quoi. C'est pas dingue. Elle est combien? Elle est niveau 2 à moitié. Putain, c'est que... ouais, elle a bien augmenté. Bien augmenté son truc, ça a bien marché la potion. Il manque vraiment des effets spéciaux sur mes attaques. Genre des explosions et tout, des light flare, des lens flare et tout là. Petite blague de monteur. Ah ouais, c'est à moi ça. Ok. Peut-être des petits trucs anti-malédiction, peut-être? C'est à moi, mec. Pip. C'est long, mais ok. Bon, là, je vous le laisse, les gars. Ça, surtout pas. Ça, franchement, on peut avoir mieux, hein. Pour avoir mieux partout. Voilà! Inflige des dégâts de frappe supplémentaires lorsque votre vie est à son max. C'est pas tous les jours, mais ok. Voilà! Waouh! Voilà! Voilà ça qu'on veut voir, putain. Ça qu'on veut. On l'a eu, ça y est. La pioche fantôme, ça va être bien, ça. Quoi? Voilà. Voilà un truc qui fait plaisir. Manque plus que la pioche qui se divise, et puis alors là... on est royal au bar. Royal au bar. Tac. Alors, figure-toi que c'est mon argent, mec. Voilà, merci. Bili. Oula, non. Non, c'est mieux ce que j'ai, là. Votre cas, c'est trop... trop dangereux. C'est plus puissant, hein. Cela dit, on est d'accord. D'accord, buffet à volonté, c'est ça? Ok, j'adore le principe. En plus de ça, j'ai boisson protéinée, on est bien. Ah mais on se régale, là. Qu'est-ce qui se passe? Oula, la salle de con.
Allez gros, on n'a pas que ça à faire. Je conseille de ne jamais voler l'argent de Luna, c'est ça. Jamais. Faites jamais ça. Ne voulez jamais mon argent. Le dernier qui a essayé, il a eu des problèmes. Après, au final, il s'en est bien sorti. Hein. oui. Allez, il faut retirer sa malédiction là. Faut pas rester avec ça. Faut pas rester avec des malédictions comme ça, c'est pas possible. Voilà. Comme je disais, on pouvait pas rester avec. Y a pas de relique là, ok. Un peu dessus. Il y a moult bombes. Ah, c'est oui. La glycérine, c'est rigolo. Oui, on la prend quand même. Ah, merde, je suis obligé de la prendre maintenant. Rendez-moi l'argent. Putain, le gars il est. Oh, 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 oh connard. Ils se font plaisir, hein, ce petit con. Ok. Tac, tac, tac. Allez, je m'en vais. Je vous laisse les restes, hein, les gars. Je prenais que les gros. Ok. C'est tout. Déçu. Ah, pas mal ce combo quand même. Pas mal ça. Les explosions en flèche là, j'aime bien. Arrêtez de voler mon pognon, bordel! Je dégage. Ça dégage. Boui. Ah merde. Je comprends rien ce qui se passe, mais ça marche, c'est le principal. Je comprends rien, mais ça fonctionne. Oh oui! Le catalyseur pour plus de soins. Quand je me fais soigner, ça me soigne en plus. Et comme je me fais soigner à toutes les salles, c'est bien ça. Une bonne assurance vie ce truc là. D'accord. Je sais pas viser ou répondez pas. Répondez pas parce que la réponse est sûrement non. Oui. J'ai voulu croire à une salle secrète. Bah ça finit. Ça finit tout ici. Il n'y a pas eu de salle de malédiction, tiens. Bon, il doit bien y avoir une salle secrète ici, hein. Bah non, toujours pas. On a vu aucune salle secrète, vas-y. Voilà. Et là, elle va être à chier. Je pouvais pas avoir plus raison. Putain. C'est véritablement à chier. Ah, il y en a une autre. Ah, oh. Un peu moins chier déjà celle-là. Oh c'est bon, j'y crois. Je crois en mes rêves. Ok, dégâts de lancer, renforcés. Et plein de petits trucs. C'est quoi ça? Tous les minerais sont récoltés lorsque vous entrez dans une pièce. Oh c'est chiant.
Oh, c'est chiant, le fou malade. Il faut absolument s'en débarrasser. Ok. Ok, c'est bon, on s'en débarrasser. Bon, juste parce que ça peut rapporter gros, ça. Bon, ça a juste rapporté des steaks. C'est déjà ça. Bon, en tout cas, j'ai pas fait ça pour rien, déjà, c'est cool. J'ai pas fait tout ça pour rien. Oui, oui. La salle somme crête. Au final, ça va, elle était bien. Hein. Ah, par contre, oh, tous les ennemis m'empoisonnent, j'avais pas vu ça. Et ils m'empoisonnent. Bon, une petite chance d'avoir un truc de fou, hein, qui sait. Allez. Allez, à chier. C'est qu'est-ce que c'est ce truc? Consomme toutes les bénédictions actuelles et venir et les convertir en dégâts de frappe. What the fuck? Moi je voulais des dégâts de lancer. Non, vas-y. Oh, par contre, eh, y a un monde dans lequel ça c'est bien ça. Bizarre des bombes. Y a un monde dans lequel ça. Dans lequel ça. Ça, ça peut être cool. Ça réduit les dégâts, certes. Mais j'ai 26 bombes. Et mes bombes sont quand même pas dégueu. Donc a priori. A priori, on peut s'en tirer plutôt bien. Moi qui voulais faire une run bombe à un moment dans ma vie. Ok. Ah ok, ça donne des bombes seulement quand tu meurs, ok. Bon, en vrai, c'est rigolo. Alors mes dégâts, ils sont à combien? Ah oui, oh oui, un! Ah, faut pas tomber à court de bombes, quoi. Oh merde. Oh, pourquoi ça a pas tué, ça, gros? Ça apprend que les dégâts qu'une seule fois? C'est pas normal. C'est pas normal que ça apprend que les dégâts qu'une seule fois, bon. Putain, même les slimes, je les tue pas en deux coups. En... Oh, oh l'idiotie. Oh l'idée bête. Oh là là. Oh la fin de la run. Ok, va falloir faire preuve de patience. D'accord, je sais pas pourquoi j'ai pris des dégâts, c'est top. Allez, on va y arriver. Ce n'est pas une fin en soi, c'est juste, c'est la merde, quoi. Si j'augmente les dégâts de mes bombes... pas un truc qui rend insensible à ces bombes, éventuellement. Petit test pour le bonbon bouche cabasse, c'était pas mal, ça, le coup. Ouais, j'aime bien, ça. Ouais, ok, bah ça va permettre des deux fous, ça, du coup. Un peu dans la dumps, quand même, hein. Peut le dire. Et ça va... Oh ça par contre, c'est ce qu'il me fallait. Ça, c'est ce qu'il fallait pour de vrai. Ça par contre, c'est ce qu'il fallait. Officiel. Hein. Boui, boui, boui. Boui, boui, boui. Boui, boui, boui. Je veux dire rien si c'était beaucoup de dégâts. Oh, les des ennemis à particules, par contre, pitié. Il reste quoi là? Oh, c'est bon, c'est fini. Okay. 60 ans une bombe, c'est ok. Alors, à moins que tu me proposes. Les sons plus efficaces, je lis pas long. Cet homme est dangereux. Ne le laissez pas seul. Ouais, il faut vraiment que je trouve de quoi me soigner, quoi. C'est vraiment ça qu'il faut. Un café, par exemple. Peut-être pas mal.
Hop là. Là, t'as acheté des bombes parce que j'en ai pas beaucoup. Potion de purge en vrai. Pas mal cette histoire. Ouais, tiens, on est pas mal là. J'ai une potion pour changer. Changer une rune à un moment. On est un peu dans la merde quand même. Il y a tic-tac bombe du coup. Tic-tac bombe. Tic-tac top et tic-tac bombe. Augmente les dégâts de frappe mais réduit les dégâts de lancer. Alors ça a pas changé grand chose gros. Ah putain j'aurais pu le. J'aurais pu le changer. Bon. De toute façon y'a pas grand chose qui pourrait vraiment changer ma vie hein. Voir des choses que j'ai pas encore découvertes peut-être mais Ah j'ai oublié. Je trouve que j'aime pas mal de monde quand même. Je trouve que je perds pas mal de vie aussi. Ça, ce n'est qu'un avis perso. Boulouli. Ah oui, ça donne des sacs de bombes aussi, pas en grenier. Ok. Ce qui est bien, c'est que je peux plus rater de salle secrète avec ça. On disait que la France devait produire plus de monde, c'était pas comme ça. Quoi? De quoi tu parles? J'ai jamais dit ça perso. Run Oppenheimer là, vraiment. Non. Non, franchement, la flamme gros. La salle secrète, c'est nul. Je veux même pas la clé. Bon, si je veux quand même la prendre. Je laisse traîner des bombes derrière moi, vas-y. Je sais pas si je peux l'ouvrir ce coffre. Bon, tout ça marche pas. Plus le temps, les gars. Pardon. Hein. C'est quand même une drôle de vie qu'on est en train de vivre. Ah ouais. Ah ouais. Oh putain, le boss avec ça? Oh, ça va être drôle. Hein. Juste à acheter les bombes, on continue. Oh là 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 là. Super Mario! C'est trop d'émotions. Merci beaucoup, Kenzo. Je viens pas pour voir en live ce qui est vraiment Undermine et offrir le sub du mois d'avril. Oh, attends, qui fait toujours plaisir. Bah, merci beaucoup, Kenzo. Au sub niveau 2 en plus, merci beaucoup, des gros bisous. Bon visionnage à toi. En espérant que tu kiffes Undermine. Actuellement, je suis pas mal dessus. J'avoue, j'y joue beaucoup. Il m'a volé mon argent! Je vais voir s'il y avait une salle secrète. Ah, il y en a une vraiment. Oui, vraiment. Désolé, mec, j'ai peut-être tout détruit. Rien à foutre de ta salle. Pas d'autres salles secrètes. Un peu déçu. Ok. On va aller faire le boss. Je sais pas si j'ai assez de bombes, 96, c'est pas beaucoup. Faut que je fasse gaffe quand même. N'hésitez pas à faire comme Daikenzo et à vous abonner hein, si jamais. Ça aide beaucoup. À quand la potion des bombes, bah ça va pas changer grand chose. Hein. Ah mais tiens, il est dans sa face où il disparaît. Je sais pas si je peux détruire les hôtels de feu, j'ai peur. J'ai rien compris à ce qui vient de se passer, je vous le dis. Ah oui, zéro, carrément, ça lui fait zéro. Ok, top. Il s'est pas lancé une boule, hein, mec. Mais trop chiant, hein.
gros, c'est, je ne peux rien suivre. C'est bon. Ok, c'est bon. C'est l'angoisse, hein. Vraiment, je pense que le combat contre le dragon avec ça... On passe un mauvais moment, je vous le dis. On passe un mauvais temps. J'ai peur. J'ai peur, putain. Bon, j'ai perdu beaucoup de vie. Je sais pas si je peux vraiment réussir cette run, mais bon, on va tout donner. Hein. S'il y a un mob qui est immunisé aux bombes, on est dans la merde. Je sais pas comment on pourra le battre, mais bah, faudra qu'on essaye. Hein. On va aller sauver sa vie. J'ai besoin de life là. Je peux être là. Bon alors. Super mec. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Oh, la boutique secrète. Bon, on y va. On peut faire spawn une boutique secrète dans un combat de boss. C'est pour un ami. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Merci. Alors, y a pas de relique encore une fois. Bon, triste. Y'a rien, y'a vraiment rien pour enlever les malédictions. J'aurais essayé. J'aurais essayé, mais là, bon, je peux pas faire des miracles non plus, quoi. Allez. Pas le time. Oh, en plus, faut que je me grouille premier degré. Premier degré, il faut que je me drouille, donc bon, Ah oui, putain, 11h40, quoi, déjà. Je vais avoir le temps. Allez, partie, laissez-moi partir. Hop là, on refait le boss. Mais non, c'est une blague. Allez, Asgong. On va aller s'amuser. Je me demande dans ce biome-là si ça va le faire. Parce que le problème, là, c'est qu'ici, des bombes, ça va faire exploser des rochers. Et je vais me prendre plein de trucs dans la gueule que j'ai jamais demandé. Passer un moment médiocre. Oh, ça c'est la boîte invitant au désastre. Mais je m'en fous. C'est ça. Je suis en mode comment ça permet d'ouvrir des portes. C'est pas ça que je voulais. Ça chie tout ça. Pas encore mort. Voilà. J'ai toujours pas arrivé au bout d'un moment. Ok, pour l'instant je suis en vie, c'est un miracle. Non mais si lui aussi il s'y met là. Non c'est bon. Oh, il y a assez d'explosions comme ça là, on peut plus. Je peux en faire qu'une à la fois. J'ai cru pendant un instant qu'il était insensible au bon et j'avais pété mon crâne. Eh ben, la grosse moula. Poursuivi par Samuel L. Jackson lui-même. Hop. On prend les bombes hein, quand même. Hein. Pas de con. Hein. Voilà, cela prendra. On prend. À moi. Par contre, y'a pas de salle secrète quoi. Ça me détruit. Mais gros. Ah bah quand même.
Ah, j'ai la fontaine. Putain, il manque 10 000 balles. Il manque 10 000 balles pour la fontaine, je suis dégoûté. Est-ce qu'on peut détruire la fontaine? Après, on va pas se mentir, il y a aucune chance, il y a aucun monde dans lequel avec ce stuff, j'arrive à ne pas tuer des slimes, hein, donc en soi, ça va aller. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, je m'en fous des bénédictions de la sylph, non? Je m'en fous d'avoir des bénédictions. Plus aucune bénédiction ne peut me rendre heureux là-dedans. Éventuellement, celle qui peut me régénérer ma vie. Moi, je trouve que c'est puissant, perso, mais après, c'est mon avis. Ce qui vaut, c'est ta vie, quoi. OMG le fouet! On s'en fout. On s'en fout vraiment, quoi. Alors, qu'est-ce que... Je pense que je vais m'enlever les malédictions, non? Ça va augmenter la taille des bombes. Au bout d'un moment, j'aimerais vivre. J'aimerais quand même vivre un peu. Donc, on va retirer une malédiction. Tac, ok. Et là, on va retirer une malédiction. Ouais. Ok, on en retire, ça va. Maintenant, je serai plus empoisonné par les ennemis. La malédiction des bombes qui coûtent de la vie. Oh putain. Ouais, c'est pour ça, là. Vaut mieux pas tenter le diable. Hein. Vaut mieux pas tenter le diabolo. Hop là. 11h45, vas-y, faut que je me dépêche le cul. C'est quoi ça? Récupérer, non attendez, c'était quoi ça déjà? Qu'est-ce que c'était que ça déjà? La dernière fois que j'ai fait ça, j'étais dans la merde, non? Non, je récupère rien du tout, gros. Je récupère. La dernière fois que je fais ça, ma run s'est terminée. C'est une malédiction, ouais, c'est ça, c'est. Non. Non, mais c'est sympa d'avoir proposé, gars. C'était là. Oui, c'est le truc de réduction à un PV, voilà. C'est ça. Ça m'avait foutu la merde. Je serais réduit à un PV pendant 10 trucs, donc non. Oh, ça suffit. Oh non, dommage, elle a disparu, je voulais la faire. Oh non. Il a survécu à ça, lui. Voilà, ça dégage. Non. Non, merci. Hop là, je t'ai bien eu. Voilà. Quoi, il a encore envie? Mais gros, t'es pas censé vivre un million d'années comme ça? Ça suffit. Oh putain, quel débilos. Organe de la vie, vite. Merci. Oh, j'ai une Indiana Jones. De le doré. Let's go. Bam, bam. Ça dégage. Ça m'a rien ici. C'est tardif, mais... c'est tardif, mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Alors, merde. Putain, let's go. Ça augmente les dégâts de mes bombes lorsque je bute des gens avec des bombes. Genre des bombes. Ah la foutre. Un défi pour 50 bits, vaincre le boss de cette zone avec la pioche. Un dégât. Pour 50 bits. Le gars vient de me dire, allez défi pour 50 centimes gros.
Pour 50 centimes, vis le pire moment de ta life. C'est bon. Vous avez cru que j'étais un TikToker dans le besoin là. On est pour qui exactement? Mais ma 500 000 bits, je le fais pas, gros. C'est une dignité, hein. Ah bah ça, on dit jamais non, hein. Jamais non, à choir du chez-bou. Ouais, ça va le faire. Je vais encore terminer Ricrac, moi, comme un connard, mais... On va s'en sortir. Pourquoi je récolte encore l'argent? On s'en fout, de toute façon. Voilà. Ça serait pourtant si raisonnable. Bah, j'avoue. Ah bah j'avoue, c'est moi qui exagère un peu. C'est bon, ça finit? Ok. Oui, allez. Stekos. Tu es pas mal. Il a encore envie. J'ai envie de caler. C'est bon, il est plus en vie. Envie d'avoir envie. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a augmentation des soins? Ah, là, soigner tout au long de l'aventure? Non. Non, vraiment rien. À la vie max, à la limite, allez. Oh non, mes dégâts de lancer. Putain, mes dégâts de lancer, les gars. Est-ce que je suis un fils de pute? La réponse est oui. Putain, en plus, il m'a encore niqué mes dégâts de lancer. Je crois que je me suis foutu dans la dumps. Avec un personnel de merde. Oh, alors là. Alors là. J'en ai vu des trucs sur lesquels j'ai jamais hésité, mais alors celui-là. Mais bombe. Bonjour. Lance l'âge de bouteille. Bah, c'est bien, mec. Bon, ça, c'est pas chier, hein. Vas-y, je retire ma malédiction parce que là, elle me handicape de fou, là. Ok. Bon, sinon, c'est jamais. C'est quoi cette salle de con, là, encore? Allez, ça dégage. Bon courage. Allez, tiens. Un petit défi, je tue le mannequin. Pour 50 bits, je le fais. 50 bits, je tue le mannequin à la pioche, les gars. J'attends, je... C'est lui le boss final, là. Voilà. 50 bits, les gars. Ça les vaut, hein. Ça les vaut, vraiment. Putain, pourquoi ça s'affiche pas? Merci, Shadow aussi. Il a vraiment donné 50 bits. C'est beau. Hop là. Là, c'est énorme, ce qui se passe. Un combat d'anthologie. On se souviendra à jamais... Du moment où j'ai dit qu'il fallait que je termine cette run vite. Et que j'ai ensuite décidé de faire ça. Deux secondes plus tard. Merci Laikenzo OMG qui donne aussi. Merci beaucoup, c'est adorable. OMG, on a gagné, on a réussi à le battre. Maintenant je fais tous les ennemis comme ça, les gars, je vous le dis. Non. Merci Laikenzo et Shadow. Merci beaucoup. Je sais pas pourquoi ça s'affiche plus. T'as déjà réussi quand même, hein, c'était dur. Trois clés, allez. Ambroisie. J'ai déjà oublié ce que ça fait, mais ça a l'air énorme. J'ai jamais eu autant de nourriture. Hein. Qu'est-ce que c'est l'ambroisie déjà? Double le niveau d'une bénédiction hasard. Alors là. Alors regardez bien la bénédiction explosion, si c'est elle qui double. C'est laquelle qui a doublé, j'ai pas vu. Mais ah, je crois que c'est celle qui double mes soins. C'est celle qui augmente mes soins, je crois. Donc c'est bien. Ça a affiché pour des Kenzo, c'est vrai? Mais non. Il a dit qu'il peut prendre sa retraite maintenant. Bah, 100 bits, les gars. Un bit, c'est une maison sur, avec vue sur la mer en général. Donc 100 bits, je vous dis, je suis bien. Vas-y, j'ai même pas buté les monstres là. Cassez-vous! Personne vous a invité, les gars. C'est bon, je peux y aller? Je vous laisse l'argent. Hein. Je peux lui donner 50 000, hein. Honnêtement, voilà.
Bah, je vais résister à ses limites. Ça aurait été con de pas prendre ça. Hein. Y'a tellement de choses, what the fuck. Ça ne s'arrête jamais. C'est à moi ça, j'ai l'impression. Bon bah c'est à toi alors. Oh la victime. Eh c'est à moi, bon, c'est à toi en fait. Toi bien mec, t'inquiète, tu me déranges pas. Je confirme c'est bien le navet, let's go. Bah ça en vrai c'est trop bien. Ça augmente mes soins. Enfin, je vois pas pourquoi j'aurais besoin de soins perso. Je comprends pas trop. Putain j'ai pas vu, c'était là. Ok. Cassez-vous! Oh c'est... supportable. C'est bon? Quoi ça? L'or dépensé est changé en dégâts supplémentaires. Bah c'est bien hein. Bah écoute Bah félicitations hein. Je sais pas quoi te dire. Bravo pour ce que t'as fait. Et... C'est cool hein, de mettre ça à la fin. Les gars, j'ai 100 000 balles! Vous les voulez pas mes 100 000 balles? Putain, je peux vous les donner là maintenant hein. Je passe un mauvais moment. Explose la porte? Non, ça marche pas malheureusement. Je peux essayer si vous voulez hein. Encore? Pourquoi il gagne de la vie lui? Ah mais je crois que c'est moi qui gagne de la vie non? Je vais aller exploser la porte, ça a grave marché, vous inquiétez pas. Allez super. C'est quoi cette salle de Golemont là? Ça marche pas les gars. J'ai essayé de tricher. Ils ont pas voulu. Désolé. Alors le magasin. Merci. Bilup. Oh bah tiens, bah, je peux l'éviter, merci. Enfin. Enfin une bonne raison de se lever le matin. Bah les biscuits, j'en ai plus besoin. Hein. C'est bon, c'est fini? Non? Ok. Si vous trouvez que c'est un peu le bordel, vous inquiétez pas, c'est normal. Je perds tellement de vie dès que je m'en prends un. Vraiment, je fasse gaffe. Ça, je regarde bien ma vie, hein. C'est faux. Ok. T'es en train de me dire que je suis censé détruire ça, mais c'est impossible, c'est trop dur. Non, fais-toi voir. Oh oui, il va me donner de l'or en plus, let's go. Ça, on comprendra bien ce qui se passe à l'écran, bah heureusement. Non, bah non. Bon, le boss, ça va être une expérience. Ça va bien se passer. Pareil, mec, pareil. Je pense exactement la même chose. D'accord, donc le gars a fui instantanément. Et ça commence bien. Bah, déjà, ça lui a fait quasiment aucun dégât, je suis content. Bon, on est dans la merde. Ça lui fait pas très mal, je trouve. Bah, je suis dans la donne, je vous le dis. Je pensais le faire bien plus mal que ça pour entrer là.
C'est bien, je dois pas en plus esquiver ses attaques et tout qui sont chiantes. Quoi, c'est tout? J'ai confondu la potion transmutagène avec celle qui me soigne lorsque je prends des dégâts. Je suis foutu. Fin de run officiel. Fin de run officiel, j'ai confondu les deux potions. C'est quasi impossible que je survive à ce combat de boss, hein, je vous le dis. Voilà. J'ai... Voilà, mon erreur de connaissance me vaudra la mort. Putain, mais pourquoi est-ce qu'il prend aussi peu de dégâts, gros? Pourquoi est-ce qu'il prend aussi peu de dégâts? Franchement, c'est chiant. Putain, mais oui, j'aurais dû faire les doubles potions, là. J'aurais dû faire ça, putain. Ouais, j'ai paniqué quand j'ai vu le peu de dégâts que je lui faisais et que j'ai perdu toute ma vie parce que j'ai fait une connerie. Je me suis dit, bah merde. Ah putain, c'est dommage, hein. C'est dommage. Comme le chanteraient les célèbres rappeurs Big Flo et Oli. C'est bon, j'ai tout là. J'ai tout amélioré, les gars. Bon, bah c'est good, mais j'ai tout amélioré partout là. Au moins t'as fini avant midi. Bah ouais, bah c'était mon but, hein. Je voulais finir tôt, voilà, c'était maîtrisé, les gars. Inflige des dégâts de bombes supplémentaires. Eh, j'aurais eu besoin de ça de fou en vrai. Eh, vas-y, je le prends comme ça, au moins maintenant il me le proposera. Ça m'a un peu foutu le somme de d'avoir des bombes aussi faibles. Qu'est-ce qu'on peut se mettre pour la prochaine run? On somme tous les soins jusqu'à la naissance. J'ai rien compris. On somme temporairement une future malédiction en train de prier, ok. Lorsqu'une vieille bombe est utilisée, une nouvelle bombe est obtenue. Ah oui, ça joue. Téléporte les ennemis à côté de bombe. Les ennemis touchés par la pioche lancée explosent à leur mort. Bizarre, hein. C'est quoi ça? Il permet de prier deux fois aux autels. Oh la vache. C'est bien ça, hein. Plutôt coolos, non? Allez. Plutôt coolos, en vrai. Allez, pour la prochaine fois, on aura ça. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous. YouTube, à bientôt, bien sûr. Putain, ça veut dire que je vais continuer à jouer à ce jeu de con. Et en même temps, je l'aime bien, putain. C'est terrible. La même... Vraiment la même sensation qu'Isaac. C'est terrible. Bisous, YouTube, à bientôt. N'oublie pas de commenter si le cœur t'en dit. Au moins de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt. Salut mon pote.